Merci. Je m'en suis pas trop mal sorti pour un beat'em up dont je n'avais jamais joué. Il nous reste deux stages. C'est ça. Donc, dernier assistant pour venir m'aider. Ah bon? Ben oui. Argol. Allez, hein. Argol. Argol. Musique d'ambiance pour ascenseur en do mineur. Allez, c'est parti. Bon, Argol, oui. Ça va? Bon, toi, tu connais le jeu, toi, par contre. Oui, c'est je connais le jeu, c'est mon stage préféré. C'est vrai? C'est comme tous les autres avant? Tous les stages sont mes stages préférés. Ok, ça va. Bon, bah écoute, bah c'est parti alors. Est-ce qu'il faut pas tomber, je suppose, non? Oui, tu peux te. Si tu sautes. Regarde, toi. Non, non. Et tu perds une. Déconne pas. Regarde. Arrête! Mais déconne pas. C'est un funambule en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou cet homme. Je vais te montrer la super tactique. Tu peux les lancer. C'est vrai? Voilà, c'est génial. On va gagner du temps. Allez, venez, venez. Mais là, la police, ils vont la mettre où la voiture? En fait, ils restent en bas. Ils tirent d'en bas. Ouais, ils tirent d'en bas. Et comment ils font pour ne pas tuer Billy et Timmy? Faut se mettre là, c'est ça? Mais c'est qui Billy? Billy et Timmy? Non, Joris. Billy et Timmy, c'est dans Double Dragon. C'est bon alors, bah voilà. Par contre, j'aimerais pas être celui en bas, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça! Tu sais, t'as le mec qui est en train de nettoyer les carreaux, on va faire putain, mais il fout le décor! En bas, y'a Jerry Halliwell qui dit It's raining men! Ouais, c'est les mecs de l'enfer aussi, là! Mais c'est totalement ça, c'est totalement ça! Tu sais qu'il y a des pauvres enfants qui se baladent avec leurs parents, il y a des corps qui tombent à côté. Ouais, ils sont deux. Hop là! Allez, et pas moi, putain, je fais. Ah si! J'ai bien transformé. J'ai Jerry Halliwell! On va voir vole le dragon. C'est l'envol du dragon. Alors Fred, lui, oui, il les fait passer à travers les oui, grilles. Oui, moi j'ai fait passer à travers la grille, moi. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, mais toi tu connais par cœur, toi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé de bouton, moi aussi. Oh, et sensible, le bouton. Hein. Ils visent pas dans la bonne direction. C'est pas grave, c'est téléguidé. Pourquoi ils ont la voiture et là, l'inspecteur Gadget? Je sais pas. Mon dieu, non, mais par contre, comme dans Robocop, ils ont le casque dans la voiture. C'est vrai. C'est bien, c'est classe. C'est la sécurité avant tout, les enfants. La sécurité. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un bug graphique. C'est un bug graphique, ou un monstre dans The Thing. Écoute, on sait pas ce que c'est. Je pense à Chirurgie. Je sais pas, mais il est mort. C'était un punk jaune. Je pense que c'est. C'était le prédateur. C'était le prédateur. Tu joues au bonbon. C'est la première fois que j'en vois un. Bah oui, parce que ça me donnait l'énergie. Donc, il donne pas bonbon. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Il m'a suicidé. Et là, imagine, tu tombes derrière. C'est déjà arrivé. Je crois que c'est le seul stage où il n'y a pas de boss. C'est Tao Pai Pai. Ça veut dire Shiva dans les trois. Si, Shiva, c'est le boss. C'est le boss de fin. Alors, le vrai, le true last boss motherfucker. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux? C'est le vrai boss, c'est Shiva dans le. Non, après, juste. Tout la boss, moi, oh non, allez, venez. Mais... Viens, je t'emmène. En fait, tu n'as plus de vie, donc bah, peut-être que tu utilises son pouvoir dès qu'il y a du monde. Hein. Enfin, ton attaque spéciale. Ouais, mais attends, parce qu'après, plus haut, il y a des. Ouais, mais il a plus de vie. Ah, ouais, c'est vrai. Et, mais tous les deux, non. Ouais, mais moi, j'ai déjà utilisé ma vie. Ouais, Fred utilise. Attends, qu'il y a plein de monde à l'écran, mais je suis en train. Et qui te met pas un coup de pied. Je me mets dans l'angle. Non, mais non! Bon, c'est bon, calmez-vous! C'est pas ça, beaucoup de monde à l'écran. J'étais un peu trop dans le jeu. Tu vas mourir après, peut-être, donc t'as bientôt. Merci. T'as vu? Moi, je me lance une roquette qui, suivant la direction, n'ira pas là. D'accord? Oui, elle tourne dans les angles, la roquette. Je crois que la demoiselle avait envie de faire pipi. Je sais pas. Ah, j'ai gagné une vie! Donc, ça a aidé quand même. Ça y est. Non, ça va pas aller. C'est le mien, d'accord. Non, je vais pas te jeter. Mais ouais, je suis là-dessus. Ah bon? Je suis sûr, mon gars. Je suis mort, allez. Pas de longtemps, t'as dit. Tiens, va se coucher. Ah, toi aussi! Par contre, c'est moi, on n'arrête pas de monter, c'est toujours le même sprite des immeubles derrière. Non, là on est arrivé sur le toit, ouais. Ah, ça va, ça bouge un peu quand même. Je vois quelqu'un dans la fenêtre à droite là-bas. C'est un petit robot bleu. Moi, ça me pensait au directeur de Tortue Ninja, ce plan. T'as fait exprès? Oui. Ok. C'était ça, beaucoup de monde pour toi en fait, c'est ça? Oui, ça commence là. Y'a pas de boss dans ce stage? Non, y'a pas de boss. On est direct au dernier niveau. Le dernier niveau doit être assez tendu, je pense. Oui, parce que tu dois rebattre tous les boss du début.
trépidé. Je suis déjà en trop fort. Ça va faire très 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 mal. Là. Ah, il reste Joe le roux. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein, oh. Ah bah voilà. Aïe. Là, il commence à tomber de haut, hein, ça. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà, oui. Et moi aussi, tiens. Ah oui, ouais, c'est une balance en l'air, oui, je crois. Oui, elle a rebondi sur la rambarde. Ah oui, elle s'est cassée le dos sur la rambarde. Comme dans The Raid. Comme dans The Raid, voilà. Ah, ça, c'est sûr, ils reviendront pas dans le 2. Merci. Donc là, c'est chaud, là. Et tu en es à combien de temps de jeu, Fred? Je sais pas, 55 minutes? Pas loin. On en est à 1 heure, pratiquement. 1 heure, d'accord. Bon, allez les amis, rassemblez vos forces, Mister X est tout proche. Donc sur ce dernier niveau, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a plus d'attaque spéciale. Parce que la police ne veut pas rentrer dans cet immeuble du syndicat du crime, tu vois. D'accord. Non, c'est l'immeuble de Dracula, vu la déco. Est-ce qu'il faut aller à gauche? Ils vont à gauche. Pour une fois, on va à gauche. Mais comme dans... Ok, d'accord. Oui, il y a la comme famille si ça ne suffisait pas, maintenant même le mobilier vous attaque. Room service. Room service. Dans Double Dragon 2 aussi, quand tu commences dans les derniers niveaux, le scrolling est vers la gauche aussi. C'est le temple qui est scrolling vers la gauche. Dans Double Dragon 2, le niveau du temple. Avec les plateformes qui disparaissent, c'est celui qu'on aime bien là. Ah oui, je me rappelle, j'ai un truc dans ce milieu. C'est moi où je pense que les boss sont très, très très durs. Valérie Dalle 2 passait par là aussi, il y avait des gars. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est ça? Non, c'est ça. C'est on a compris. Je ne voyais pas l'utilité de... On acquiesce, c'est cool, c'était sympa. Vous ne voyez pas l'utilité de... Regarde, demande-moi d'ouvrir la fenêtre. Vas-y, demande-moi d'ouvrir la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Ok. Le truc trop net. En fait, j'en ai d'accord que c'est le genre de jeu... Tiens... Attention, sur le plateau. C'est le genre de jeu que... C'est le genre de jeu bah, qui n'a pas vu, tu prends toujours ton pied à jouer à ce style de jeu, quoi. C'est ça qui est bon. Ah oui, mais comme un film, en plus comme un film de Jean-Claude Van Damme, ça a des règles, quoi, le beat'em all. C'est l'ascenseur, le palais du méchant... Les roues. Les femmes au fouet. Oui. Ah, tu veux dire qu'elle cuisine? Oui. C'est bizarre parce que dans God of War, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de tout ce que tu dis là. Oui, enfin, il y a moins de syndicats du crime dans God of War. C'est lui le syndicat. Il y a le syndicat des dieux. Poséidon. Ah, j'ai pas arrêté. Bah, Poséidon dans le. Il fut quand même seulement 10 début. Minutes hein, dans c'est le. C'est ça. Ouais. Vu comme il finit, il peut pas regarder la télé quoi, parce qu'il a quand même 2 pouces dans les yeux. C'est ça. Spécial spoil de Dota 3. Ah, ça va, c'est toi qui entends les sons, c'est pas moi. Du jeu, quoi. Il n'y a pas joué. Ah non, ils ont mis à changer de veste. Oui, ils ont mis au vert. Tout le pouvoir est dans la veste. Ah, mais c'est des boomerangs. Oui. On les avait pas lancés tout à l'heure en fait. On les a tués avant. Si, il y en a un qui avait lancé. C'est ça quand tu dis qu'il fallait restapper les boss. Ouais. Moi, ils avaient toutes petites jambes. Pour savoir, on a pas trop mal géré là. Ouais, mais ça fait deux quoi. Sur 48 en fait. Mais qu'est-ce que tu dis 48? Vous avez 48 comme ça. Je ne peux pas aller jouer au jeu. Ça va Anka, tu l'enchaînes? Bonjour, reste par terre. Il y a plein de tactiques. Faire plus mal. Après que c'est quand même pris le rôti en squad. Hein. Quoi? Ouais mais c'est parce que Argol, t'as pris un rôti là. Argol il joue mieux. Oh là là. C'est inadmissible ce genre de comportement monsieur. C'est vrai. C'est la seule excuse en bois de castor que j'ai trouvé. En bois de castor. Oh putain, même ça t'attaque quoi, c'est bon quoi, t'es plus à l'abri quoi. Faites attention les lampadaires. Tu sais, dans un beat'em all t'as rarement à l'abri. Hein. Le jour est en train de se lever. Ouais. Tiens, y'a un rôti. Il faut absolument qu'on finisse le jeu avant que le jour se lève, hein, tu le sais ça. Si c'est Majora's Mask. Mais non, sinon les vampires vont aller dans leur tombe et tu pourras plus l'ouvrir. On va faire tous les clichés des jeux vidéo avec le jour et la nuit, c'est ça? Simon Quest, rappelle-toi. Ah ouais, what an horrible night. Ah là c'est Hellraiser quand même. Hein. Tiens, reste par terre toi. Je te déconseille de sauter avec. C'est vrai? Ouais. Sinon ils font l'attaque tridimensionnelle. Tridimensionnelle.
tridimensionnel. Ça veut dire qu'il y a trois dimensions. Quadricule. Voilà, on le fait un combo et un sandwich. Elle est où, Jeanne? Ah, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est bon, allez. Elle est dans l'équipe du Japon de... Alors c'est un long couloir, hein, c'est un immeuble qui est très long. C'est un immeuble rectiligne. Oh, il est terminé, tu l'as jeté du poids. Oh, c'est ça que ce bruit vous êtes toujours vert dans ces bords de vêtements. Il t'en faut des outils. C'est ça. Tu devrais le prendre, non? Tant que Kyle. Oh, il a pratiquement tout ça. Prends-le, t'as... Allez. Allez, soyons fous. Soyons fous. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. À part des napolitains. Oui, bon, c'est bon. On est une déjeuner du matin. Est-ce qu'on s'en sort bien à l'argol après toi? Ouais, on est pas mal. On est bien? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, je pense qu'on va. Ouais? Allez, fais-le toi, lui. Non, il veut pas. Il a peur de moi. Tiens, bah coup de genou dans la bouche. Ça te plaît de manger du sang? Tiens. Mais imaginez le travail de l'artisan pour en faire un tapis aussi beau quand même. Allez, allez, on ne relâche pas ses efforts. La suite au prochain épisode. Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Mega plus fort.